parler, écrite et télévisée. Et objectif rencontre ça, pour dire conférence de presse ça, nous venons rappeler tout le monde directement qui concerné, nous capables de dire public là, en général, conformément aux prescrits des articles 3.1, 5, 7, 8 et 9 du décret du 25 novembre 2020 qui fixait règles relatives à l'obligation d'affichage des prix au paiement en goudes et niveau marge bénéficiaire que yo doit faire sous prix produit yo. Sous paiement tout bien produit ak service kap bay dans tout pays ya doit faire en goud qui c'est monnaie nationale là. Par conséquent, pas gen personne moun qui capable refuser recevoir goud de la comme paiement dans quelle que soit transaction cap faite, en particulier les yon moun a payé loyer kay. Les nous parler de loyer kay, bagay sa gen pile moun nan population an, nous kapab di moun ki pi vulnérable, moun ki pi pov nan société a, le yo a la ferme yon kay, yo pote kob la bay propriété a, le li rive propriété a dil se dola américain pou pote bali. Eh bien, nous dit jodi a les moun nan paye l'école ou bien frais scolaires dans l'école classique ou bien technique ou bien l'école professionnelle dans toute université ak établissement d'enseignement supérieur sans distinction aucune dans le pays, eh bien, tout le monde qui pourra le payer doit payer en goud qui c'est l'argent pays. Malheureusement, le ministère commerce et industrie constate gagner des contrevenants. Ça veut dire moun kap violé la loi, que yo se commerçant, que yo se moun kap vann service ou tout kalte lot moun, yo viole systématiquement principe sa ki di ou kapab refuse goud nan men moun nan transaction, sa ki cause en pile préjudice pour l'État, pour consommateur yo, pour toute société en général. Le ministère du Commerce et de l'Industrie invite tout le monde sa yo kap violé la loi pour yo respecter nous sot parler là. Parce que si yo refuse faire ça, y a subi peine à condamnation que décret ça prévoit dans article 7, 8 et 9 décret ça qui était sorti dans moniteur numéro 41 30 novembre 2020. Yon l'autre bord
devant constat catastrophique que gagnons bon moun qui pas gain autorisation pour ça que y aurait les cambis là. Tout côté ne passe dans la rue, c'est cambis. Y a le prend cob nan men gros zouzoun. Le BRH gagne un taux. Eh bien, yo même yo prend cob là, y a fait marché noir avec lui dans la rue. Nous mande cambis ça yo à partir de semaine qui va venir que yo mette commencer retirer quoi dans la rue parce que la loi pral passer wè yo. Yo gen pou mission aller dans BRH, al mette yo en règle avec la loi. Le ça yo pral gagner yon bureau d'échange. Eh bien n'importe moun capable al nan bureau a al changer l'argent nan mes cambisio. Sou marché a continuer. Yo continuer marché pile décret 25 novembre 2020 en papier sous intermédiaire d'échange décret BRH te fait sortir. Pendant y a acheté à revendre l'argent étranger spécialement dollars américains tout partout dans pays a ministère commerce ak industrie nan obligation pour le faire moun sa yo songe que violation la loi sa infraction sa li ka fè yo condamné d'après ça qui dit nan article 54.1 54.2 et 55 décret sa qui sous intermédiaire de change BRH là et qui nan moniteur numéro 41 30 novembre 2020 encore. C'est peut-être ça nous vinn faire appel ça matin. Tout moun a cherché d'où là et tout moun nan pays a y a travail sa kap travail yo. C'est en goud yo touché et lè yo rive kote pou yo jwenn service la yo exige yo pou yo paye dolar et n'ap mande locataire yo si yo deja habite yon kay yo pote goud la ale propriété a pa pran ou met vini nan ministère commerce n'ap ba ou tout accompagnement qui possible et pour faire ça la loi dit qui doit fait c'est al déposer comme ça nan DGI pour moun ça et gen en pile maison qui tap loué dollar kayo en dollar. Nous dénoncer moun sa yo vinn nan ministère commerce ou pas besoin identifier ou ban nou adresse ban nou kay la et laisse à l'état pral faire moun sa yo payer sa yo te doué payer l'état parce que y a touché en dollar et puis y a bay l'état un kakaran en goud et l'état a prend toute disposition nan sans ça. Mon kwè c'était objectif rencontre matin avec nous la presse. Si gen question ou konnen que ministère commerce pa la pour li arrêter. Gen la justice, gen la police au moment opportun. Ministère commerce pral nan la rue
l'a pas accompagné la police, la justice et le appareil judiciaire arrivé en côté. Li constater gagner fraude, li constater gagner spéculation illicite marché noir et le ça la justice capable interpeller les moun ça. Il y a des institutions, c'est Jean-Philippe Massé à Radio Méga, il y a des institutions, c'est vrai, ils ont touché comme là dans mon groupe, mais ils ont mis dans le top, ils ont mis dans le top, est-ce que nous-mêmes nous avons un regard sur ça? Il y a l'école qui fait, il y a un magasin qui fait. Nous gagnons un regard sur ça, et je ne le dis pas, nous, puis bien comprendre mon yo, le nous dit, mais toi, yo même yo choisi topa yo, yo augmenté produit à 4 fois la valeur, ben jodi a fok moun yo chaque côté ne passe yo, fok moun sa yo présenter facture côté yo acheter marchandise là, qui date yo te acheté et combien kob marchandise ça coûte yo, et le ça nous pral garder exactement combien marchandises l'ont coûté et prix li affiché a, est-ce que c'est prix réel là li te doué affiché, parce que marge bénéficiaire la loi punit moun pour ça, ou pas capable de faire plus que 15% de marge bénéficiaire. Yon commerçant qui amuse li pour li fait 4 à 500% de marge bénéficiaire, eh bien l'a tombé sous le coup de la loi, et le ça c'est pas ministère commerce, c'est la justice avec la police qui connaît qui ça y a fait après yo fin faire constat. Donc mesure pour dire par toute commission semaine pour capable à conformer au métier en règle, est-ce que mesure ça et ministère commerce gain inspecteur dans tout 10 départements pour capable gérer nous pas bail cambition en semaine. Décret a sorti depuis mois de novembre, nous pour toute cambition déjà météo en règle avec la loi, mais nous dio attention les nous passer dans la rue fait en sorte que nous pas joindre au camper dans la rue à faire transaction dollar dans la rue. Et qu'en est-il de banque commerciale tout, parce que banque yo mon yo par exemple qui en ville pour aller chercher dollar yo pas veulent bayol dans banque là, alors que même comme ça yo vendre cambizio cambizio même après vendre pour yo dans la rue. Bon, en ce qui a trait aux banques commerciales, yo dépend directement de BRH. Eh ben le nous-mêmes nous prenons cambis, c'est lui-même qui va dire nous pour qui est la vente, parce que nous-mêmes au niveau du ministère commerce nous pas connait pour qui est la vente. Mais le nous prend yo, il a expliqué avec la justice pour qui est la vente. D'accord. Bon, et il y a une autre question.